Bonjour. Nous allons vous montrer comment nous transférons une colonie d'une ruchette vers une ruche. On installe la nouvelle ruche pour le transfert. Elle est pas belle, ma ruche ? Ouvrir la ruche devant. À côté, avec ton outil. Viens à côté de moi, Lola. Lola. Ça. Hop. On ferme. Là, il y a l'accès pour les abeilles. Ici. D'accord. Et ici. Et ça, c'est les portes anti-frelons. Ça évite que le frelon puisse rentrer dans la ruche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, on va mettre la ruche à la place de la ruchette. On va retourner la ruchette. Pourquoi? Pour que les abeilles maintenant. Ah, ça je vais le faire parce qu'elle me tourne. Parce que les abeilles, maintenant, il faut qu'elles comprennent qu'il ne faut pas rentrer dans la ruchette, mais il faut qu'elles rentrent dans la ruche. Donc on va mettre la ruche à la place de la ruchette et on va retourner la ruche. La ruchette. Je retourne la ruchette. Je vais mettre ma ruche à la place de ma ruche. Ok. Tu vas venir ici. Tu vas pouvoir ouvrir le toit. C'est pas grave, c'est bien. Voilà. Ton outil, tu dois toujours l'avoir dans ta main. Non, non, en dessous, au plastique. Voilà, doucement, t'es fait débrouiller. Faut que le fer qui reste. Là déjà, regarde-moi. Avant d'ouvrir le plastique, tu regardes, est-ce qu'elles sont nerveuses ou est-ce qu'elles sont pas nerveuses? D'accord. Bah, tu vois que là, elles ont pas l'air trop énervées. Parce qu'elles sont pas en train de partir dans tous les sens. Elles sont assez calmes, on est d'accord ou pas là-dessus? Comme elles sont assez calmes, on sait que bah, l'opération va plutôt bien se passer. D'accord. Donc tu vas ouvrir tout doucement le plastique parce que c'est pratique le plastique et moi je vais mettre un peu de fumée. Voilà. Là c'est pas grave, on peut mettre de la fumée. Voilà. Plastique, on met là, on ne gênera pas pour le moment. Lola, il faut que tu recules ou que tu viennes ici, tu verras mieux. Alors maintenant on va regarder le cadre un peu qui m'a l'air le moins encombré. Et le cadre, comme la ruche on l'a tourné, ce cadre là, on va aller là-bas. D'accord? Tu veux que je te montre pour le premier ou pas? Alors là tu prends la fumette, mais tu vois, regarde, tu le vois, elles sont pas sur nous. Ça sert à rien de mettre trop de fumée. Tu mettras de la fumée. Ah bah oui, c'est normal. Donc ici je vais retirer. Fais pas, tape-moi pas dessus, hein, Lola. Pour pas leur faire de mal aux abeilles. Droit. Je peux le poser le comme ça, un petit peu sur le côté, d'accord. Bien attraper avec une main, d'accord. Le lever bien droit. Hop. Tu vas regarder, tu vois c'est bien fondu. Tu vois les œufs, tu vois les petites pointes blanches. Est-ce que tu vois les œufs? Est-ce que tu vois les œufs? Tout ça à l'intérieur là, c'est bien pondu. Elle est quelle couleur, ma fille? Elle est blanche. D'accord? Hop! Maman, ça va pas. Alors, faut que tu recules, ma puce. T'as vu comment tu es trop près? C'est quoi qui va pas, Lola? Vas-y, recule, viens. Viens là. Mets-toi là-bas. Déjà, pour commencer. Est-ce que ça va mieux? Alors, non? Est-ce que tu veux faire le cadre après? Ce que tu vas faire, c'est que ça fait mal aux oreilles, bah recule encore alors. Recule, côté, ça va pas. Le lever de l'autre, d'accord. Là, tu vas pouvoir le prendre. Si c'est trop lourd, si ça va pas, tu t'arrêtes. Tu restes côté, hein. Doucement, on ne frotte pas contre l'autre. Voilà. On le prend bien comme il faut. Voilà.
Très bien. Allez. Doucement, tu décales un peu. T'as vu comme j'ai fait tout à l'heure? Voilà, ouais, c'est comme ça. Fais pareil. Voilà. Décale. Un petit peu. Nickel. Après toi, c'est plus facile de pouvoir l'attraper. C'est pas grave, Lola, t'inquiète pas. Si ça va pas Lola, tu peux encore reculer un peu si tu veux. Hein. Bonne chance, fais attention, hein, surtout. Qu'est-ce qu'il y a Lola? Tu veux faire quoi? Alors faut que tu recules un petit peu plus loin, si déjà pour commencer. Parce que c'est quand même bien pour Lisa aussi qu'elle puisse avoir une petite vidéo, c'est un beau souvenir. Non mais avance pas Lola si ça va pas. Ça va recule. Pas, Lola. Va pas. T'inquiète pas, hein, les abeilles ça va là. Alors c'est vrai que c'est toujours impressionnant. C'est lourd. Alors tu vois là qu'est-ce que. Alors, je vais te montrer. Voilà, mais le jour, je vais te montrer le prochain. Parce que j'ai peur que c'est une arène. Il y a un truc que t'as pas bien vu, c'est que je frotte surtout pas mes cadres les uns contre les autres. Pas Lisa, tu t'es fait piquer? Touche pas. Parce que ça se trouve tu vas l'enfoncer et ce sera pire. Regarde. Écarte les cadres. Ça tu me fais bien. Toi le lève cadre c'est chiant. Écarte les cadres. Bon, en fait je le mets sur le haut. La crémaillère. D'accord? Et toi quand tu le lèves, t'as tendance à le lever vers toi, moi je l'écarte. Je l'écarte. Et j'essaie de toucher pas de bord. D'accord? Je vais mettre les. Tac, tac, tac. Moi ce que je vais faire c'est que je vais te retirer comme les deux là pour l'instant c'est pas gênant la place pour mettre le bah se mettre allez vas-y le dernier je t'ai préparé ok et vas-y fais le dernier. Ça Lola s'il te plaît. Arrête de faire, arrête de bouger. Descends doucement de ton côté. On aurait même pu laisser un cadre au milieu. Ça fait quoi? Reviens ça un cadre ça après. C'est comme ça, ça grandit. Lisa, tiens. On n'a pas besoin. Pourquoi? Lisa, c'est pas important ça pour l'instant. Souris, hein.
Regarde, Lisa. Elle est là, la reine. Pourquoi tu dis ça? Ah ouais. Où est-ce qu'elle est? Ah, c'est bon, c'est pas. Recule, Lolo. Allez, tu peux mettre. Ouais. Tu peux mettre le transparent. Non, mets un truc à la peau. Maman, t'as vu? Ouais, c'est pas grave. Là. Ouais, j'en ai plein. Ouais, mais c'est pas grave, Lola, t'inquiète pas. Viens. Elles ont pas l'air agressives. Allez, maintenant tu peux mettre. Mets-toi en même temps. Mets-toi avec. Je passe. Il y a deux points comme ça, mais là. On va rentrer ta petite colonie. Alors là, maintenant, ce qu'on peut faire, on va mettre. Moi, je fais des fois ça. Mettre. La ruchette devant. Comment vous allez? Il y en a une qui s'occupe des rayons. Ça va aller là-bas. Ouais. Tiens, passe mon lance-moi. Oui, Lola. Vas-y, vas-y. Repousse. Super.